Alors, sixième épisode et fin. Bah, j'ai tué tout le monde, j'ai juste montré le coffre final. Ou peut-être avant, il va falloir que je vide complètement parce que si j'ouvre le coffre, je pourrais pas retourner dans la zone. Donc, qu'est-ce que j'ai sur moi? Rien. Il va falloir que à droite, si vite. Ah, il va falloir que je farme aussi les pierres et tout. Putain, j'ai oublié ça aussi. Alors, dans ce coffre-là, normalement, en bas aussi, il y a des trucs. Donc, en bas d'abord. Puis, il y a le coffre surprise aussi que j'ai pas encore ouvert, bien entendu. Donc, dans ce coffre-là, normalement. Normalement, j'ai tout vidé. Normalement, j'ai tout vidé. J'ai tout fini ici. Hein. Donc, ça, c'est fait. Je vais pas avoir assez de place pour tout prendre. Bah oui. Bon, bah. Je vais mettre en mode auto déjà. Vu que j'ai pas pu farmer tout à l'heure, je vais le laisser farmer avant de retourner dans ma base et poser des conneries. Il va prendre la pierre, je sais pas ce qu'il y a d'autre là, un arbre ou deux. Attends. Bah non, tu vois d'abord. Ça c'est quoi? Hache de pierre? Hache de pierre, ok. Tiens. Normalement là c'est vide. Ouais. Là je sais pas où il va. Hein. Ouais. Et il va encore m'envoyer je sais pas où. Il est con. Y a pas des trucs gros à farmer là? Si, bah oui. Là, y a rien, là. Ok, y a rien. Je crois que j'ai tout fermé, hein. Là, il va me renvoyer encore au niveau... Ouais. Il y a pas des trucs en bas, là. Non, c'est là, j'ai tout pris. Ouais. Ce coffre, il est vide, logiquement. Donc, il reste que là-bas. Et je dois admettre que vous vous êtes bien débrouillés. Vous êtes tous battus comme des chiens. Et j'aime ça. Andrea, t'es le pitbull. Alors. Tout de suite, t'as mis la main. T'as rien lâché toute l'année. Alors que même moi, je prends ça. Mathias, c'est le ça, chien de chasse. Ça. J'en crois également. Un chien exceptionnel. Capable de je pose ça. Je pose ça. Le chemin d'aller-retour parce que je suis plein et après j'ouvre la carte qui se trouve bah, là-bas là. Merde, je sais pas, je me trompe. Toi, le jeune coquette, tu se marche encore un peu sur les oreilles. Mais tu vas grandir. Hein? J'ai confiance. Bref, grâce à vous, on fait une bonne année. Et vous savez quoi? Elle aurait même une excellente photo. Du jardin, oui, je pense que tout le monde est au courant. Non, mais c'est arrangé. Kanye a dit oui, tout va bien. Gabriel. Mais il faut que je suis toute cette merde. On va pas chercher une petite histoire de chien pour faire passer la pilule. Autant être direct. Pour virer un associé, il faut prouver une faute grave. Quoi? Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel, Gabriel? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai des trucs pour. Si. Ça là. Alors fais semblant d'avoir fait croire que tu posais. Je suis l'argile que je peux poser là. La faute grave, c'était de planquer comme un lâche. Parce qu'en coulant, tu as entraîné toute l'agence avec toi.
Charnière, c'est dehors, c'est ici. Alors ça c'est 29, ça c'est 26. Genre celle-là, elle est mieux que celle-là. Qu'est-ce que tu veux, la tienne? Je sais plus, là. Non, Gabriel, arrête. T'as pas le coup. Ouais, mais il y a le gel en plus, donc je sais pas. Tu peux avoir une deuxième chance. Je crois que je vais la mettre comme ça. Dans cet endroit-là. Exactement. 28 sur 43. 28 sur 43, ils ont la même vie. Ok, bon. C'est bon, c'est je vide. Alors là. Putain, mais le chien il me casse les couilles. Il me gêne en fait, je vais aller dans mon potager et il se met devant moi. Il me casse. Merde. Putain, mais je vais te dire, ok. C'est pas ce que je voulais, mais bon. C'est quoi? J'ai pas de tissu. Je me mets pas dedans, hein. D'ailleurs, de la corde. La pierre, je sais pas. J'ai plus de chaîne. Donc la corde, elle va me servir. La corde, j'en ai jamais. Hein. Tout le temps, j'utilise pour quelque chose, c'est chiant. J'arrive pas à me faire un stock. Je voulais de la graisse. Non, c'est pas là que je voulais. C'est ici. Là aussi, là. Parce que j'ai plus de place après. Je vais arrêter de couvrir. Putain, mais la table est trop près. C'est pas ici en plus. Bon, on va enfin découvrir le coffre. Il me restera cette zone où je suis jamais allé. Ici j'y suis allé déjà, ici j'y suis déjà allé. Il me reste qu'une seule zone que j'ai jamais été. Les taudis. C'est au sujet du renouvellement de son contrat publicitaire avec Cartier, je l'ai appelé. Ok, la carte, ok, super. T'as laissé les droits publicitaires de Monica Bellucci dans le placard de là, en tout cas t'étais un danger public toi. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que j'allais m'en occuper, je l'appelle là. Ok. Non, sur le cul, c'est au-dessus de la pile, tout de suite. Putain, mais Christophe, ça se passe pas comme ça. Alors, bon, j'irai voir le coffre après, je vais d'abord ouvrir le dernier coffre. Non, il faut que je retourne par là. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre. Non mais c'est du foutage de gueule, sérieux. Puis ça, je sais pas, je m'en suis jamais servi, je sais pas à quoi ça sert. Ouais, j'ai jamais compris. Ouais, utilisé pour la fabrication de ça, mais à part ça, je sais pas. J'en ai jamais eu, on n'a jamais eu, on m'en a jamais demandé, donc je sais pas comment faire. Ok, super. Putain, le loot, magnifique. Hein. Moi, tu me fous de tâche de gueule, hein, quand même. Bon, bah, je suis revenu pour ça, ok, super.
Oh bah fin de la vidéo. Hein.